Voilà, donc avant d'essayer d'améliorer les arcs, il faut d'abord avoir l'arc. Donc avant de commencer tuto de n'importe quel arc, je sais pas lequel c'est. En attendant, on va essayer de trouver déjà tous les dragons. Voilà, et en fait à chaque dragon, il faut donner à manger donc un par un les zombies, pas en même temps, ça sert à rien, c'est un par un, sinon ça fonctionne pas. Voilà, il faut lui en donner 5-6. Enfin bon, j'ai eu la flemme de compter, voilà, tu vas pas faire chier non plus. Hein? Il faut bien qu'il y ait des défauts dans mes vidéos, bordel de merde. Enfin bon, arrêtons de dire n'importe quoi. En attendant, je vous montre un peu le chemin, vous voyez? Voilà, non mais c'est bien beau de faire des vidéos, mais si tu montes pas le chemin, comment tu veux te situer, putain? Voilà, donc du coup, on fait le deuxième. On fait le deuxième. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, dragon. On fait le deuxième dragon en le nourrissant. Donc à la base c'est une statue et après tu tues un premier zombie, ça le réveille et puis après tu le nourris avec les zombies, voilà, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, en attendant, voilà, c'est fini pour la première partie, là on récupère l'arc et puis c'est tout. Donc moi je vous dis à tout de suite pour n'importe quel tuto de n'importe quel arc. Allez c'est parti. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement essayer d'améliorer notre arc en arc de loup. Donc pour ça va falloir repérer les tableaux, donc là on va repérer un premier tableau. Voilà, par chance, donc vous voyez, il a fait un petit son. Par chance, moi, c'était le premier tableau activé. Donc, j'ai eu de la chance sur ça. Je vais essayer celui-là, voir si c'est le deuxième. Et voilà, donc là, il m'indique que c'est pas du tout ça. Voilà, donc je recommence. Je vais activer le premier. Et puis après, je vais essayer d'activer un autre tableau, tout simplement. Donc, ah, oh, voilà, j'active le premier. Donc, moi, c'est celui-là le premier. Vous, ce sera pas forcément celui-là. Après, je vais activer un autre tableau. Qui est juste là-bas, donc hop, je vous situe un petit peu, voilà, histoire que vous voyez un peu où c'est. Vous allez en bas, vous activez le tableau. Si ça fait le petit son comme ça, c'est que c'est bon. Si ça fait le petit son comme ça, c'est que c'est de la merde. Tout simplement, il faut recommencer. Voilà, donc là en fait, j'ai essayé de faire l'autre tableau en troisième, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je vais recommencer le premier, le deuxième, et je vais essayer celui-là. Et celui-là, il fonctionne. Donc voilà, c'est ça mon ordre à moi. Ça sera pas forcément ça pour vous, mais en tout cas. Pour moi c'était ça et donc du coup après je vais activer le dernier, le quatrième et attention qu'est-ce qui va se passer, il va se passer un truc. Les ennemis étaient plus nombreux et mieux armés. Un petit cri de loup, comme ça, non mais on sait pas d'où ça vient, voilà. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez en bas dans le tombeau, vous arrivez ici, boum ça s'ouvre. Hop, vous récupérez les flèches pour activer votre quête de votre arc, tout simplement, la quête du loup. Après vous allez en bas au niveau de la fusée. Vous tirez juste là-haut, bien comme il faut. Tchou, paf, nickel, voilà, non mais nickel, voilà. Donc après, vous récupérez le bout d'os, le bout de squelette qui est tombé, donc le crâne qui est tombé. Ouais, donc vous récupérez le crâne, voilà. Et après, il suffit d'aller au niveau de la pyramide, sur le tombeau de votre arc, là, donc de celui-là, là. Et ben vous posez votre tête là, donc plus vers la droite, hein, vraiment il faut le poser vers la droite, voilà. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est que simplement on va tuer des zombies, donc voilà, on suit notre chien comme ça là, enfin notre loup, et on tue les zombies juste ici pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent creuser, hein, et au bout d'un moment il va creuser, et donc du coup après on récupère les squelettes qu'il y a dedans, et puis voilà. Donc alors juste comme ça, et en fait il faut suivre votre chien, et si vous le suivez pas, il disparaît en fait. Donc il faut le suivre, mais une fois qu'il est arrivé à son bord, enfin une fois qu'il est arrivé ici par exemple, et ben après vous pouvez partir, il disparaîtra plus. Voilà, il y en a, ils croient que vous pouvez le laisser aller et puis il ira tout seul comme ça à son endroit. Mais non, il faut le suivre, sinon ça fonctionnera pas. Voilà, donc je tenais à préciser quand même. Donc voilà, donc là on récupère à chaque endroit, on récupère, donc aux trois endroits on récupère les squelettes. Après, une fois qu'on a fait ça, le chien va venir ici. Là vous tirez sur les deux têtes bleues en étant sur le mur. Et puis après du coup ça va faire venir, ça va faire apparaître une plateforme comme ça. Il va falloir aller dessus. Et en fait il faut placer le squelette là dedans là en appuyant sur X. Voilà, vous appuyez sur X et là il y a le squelette qui apparaît comme ça. Et puis après vous rappuyez sur X pour récupérer votre flèche là, je sais pas quoi là. Et puis voilà, donc du coup après une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple, vous allez tout simplement à votre tombeau et vous placez votre flèche et puis voilà. C'est pas compliqué, après il suffit de tuer quelques zombies à côté et puis c'est fini, hein. Mais généralement il nous reste pas mal de flèches dans notre arc et puis hop vous tirez en masse comme ça, vous faites un masse de kills et tout. Et voilà, après vous placez votre arc et puis comme ça au moins bah là il est en train de s'améliorer. Une fois qu'il sera amélioré, hop vous récupérez. Alors malheureusement je suis mort parce que cet enculé met 2 ans à s'améliorer, donc voilà forcément je suis mort et du coup bah j'ai pas vraiment de gameplay avec. Donc moi je vais vous laisser là-dessus.
Parce que j'ai fini le tuto tout simplement. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.